Radio Laser 95.9. Il y aura donc les petits gars de Vegas Voltage qui sont dans ce studio. JC et Sam, est-ce qu'on peut présenter ce combo Vegas Voltage ? Avec plaisir, avec plaisir. Donc on est cinq musiciens, enfin quatre musiciens et un bassiste. On joue du rock. C'est toujours les bonnes vannes entre musiciens. Hein, oui, il va apprécier quand il écoutera les musiques. Donc on joue un mélange en fait entre du heavy metal et du punk rock, hein, qu'on appelle nous du power rock. De la compo uniquement. Que des compos. Ouais. Que des compos. Pour ce qui est de Vegas Voltage, on peut trouver du son, un CD, un truc qui est prévu. Alors, il y a un projet de CD qui est en cours, hein, qui devrait être réalisé d'ici la fin de l'année. Enfin, on l'espère en tout cas. Et autrement, il y a un MySpace, un site officiel. Et puis, il y a tout ce qu'il faut sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, comme information disponible. Alors, le MySpace, c'est quoi l'adresse exacte ? Pour accéder au MySpace, le mieux, c'est de passer par le site www.vegas-voltage.com. Ah oui, d'accord, il y a un site officiel. Voilà, et à partir de là, il y a les liens qui vont bien. Parce que l'adresse du MySpace est un peu plus étrange. Un peu plus étrange. C'est l'adresse, c'est le nom de l'ancien groupe, en fait, de l'ancienne formation. D'accord, on va essayer, j'ai bien dit essayer, donc d'écouter le tube, on peut dire, des Vegas Voltage qui s'appelle Shadows.
C'était Shadows de Vegas Voltage sur Radio Laser. Vegas Voltage donc sera la programmation de la fête de la musique à Teillet. Ça c'est demain soir avec donc Artemus, Titus Solo, Douches, Ville Coyote, Nico Kawa. Et puis on a oublié aussi de citer Molo, donc de la chanson française aussi, Molo. Ouais. Donc il y en aura pour tous les goûts, Jean-Phi, demain soir. Les infos pratiques, ça commence à 19h. Tout à fait. Ça se passe juste derrière la mairie, c'est ça? Voilà. Ouais. Donc, ouverture des festivités 19h. Donc, qui dit festivités dit aussi la buvette, hein, la restauration, jusqu'à 2h30 du matin. Donc, avec aussi la buvette jusqu'à 3h du matin pour être sûr que tout le monde en a eu pour son compte et pour son argent. Ouais, donc ça va être vraiment une vraie fête de la musique jusqu'à 2h du mat, voire plus. Donc, ça va se finir par un bœuf ou pas? Parce que comme ils ont l'air de se détester, les musiciens. Ouais, mais c'est toujours c'est normal. Mais moi, ouais. Bon, ils vont se battre un petit peu. Ça va se finir soit par un bœuf, soit par une bagarre générale, voilà, sur scène. Bagarre, sur scène. On aime bien la bagarre. Une bagarre avec JC, ça fait aucun doute. Ouais, mais ça, c'est évident. Avec les autres, on verra. Donc, allez-y, vous verrez donc Gaëtan de Artemus en venir aux mains avec JC de Vegas Voltage. Ah, voilà. Cool. L'événement est lancé. Sur Facebook, déjà, ça commence à circuler. Bravo, en tout cas, donc, pour cette fête de la musique. Pour avoir plus d'infos, justement, puisque je dis Facebook, c'est pas bien de citer des marques, mais il y a l'adresse pour avoir des infos, c'est une page Facebook. Une page Facebook, donc Arbrazik, A-R-B-R-A-Z-I-K. Donc, le nom du festival, bien sûr. Et vous aurez toutes les informations donc par rapport à la fête de la musique de demain et les liens, etc. Par rapport au groupe, ou si vous voulez des informations, n'hésitez pas à nous laisser des petits messages, on y répondra avec plaisir. Très bien, merci en tout cas Jean-Phi, puis on attend le prochain festival Arbrazik, donc l'année prochaine, à la même époque à peu près. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres dates ou d'autres choses annoncées concernant Vegas Voltage et Artemus? Alors concernant Vegas Voltage, on jouera donc demain également à Cesson, à Place du Marché, à 20h. Très bien. Et après on part direct à Teillet, foutre le bordel. Jusqu'à pas d'heure. Et pour Artemus, pas de date de concert pour l'instant. Je pense que nous, ça va être la trêve estivale et on reprend en septembre. Très bien. Eh bien, en tout cas, bonne continuation à tous et puis bonne fête de la musique. Donc, demain soir, du côté de Teillet. Merci Jean-Phi, Gaëtan, JC et Sam. Merci. Tiens, on va se quitter avec quelqu'un qui n'est pas là, mais peut-être un titre de Molo. Donc, Radio Laser 95.9.